Donc, un petit avion qui était formaté, ça est forcé, du côté de la commune de Saint-Jean du Sud, dans la localité qui est les Moindes, c'est la troisième section, commune Saint-Jean. Et l'avion, ça, il a piloté par deux Mexicains. Et le premier, c'est Vargas Flores Andrés, monsieur, fait le 27 décembre 1977, au Mexique. Deuxième, c'est Avila Juan José, monsieur, fait le 27 octobre 1982 au Mexique. Donc, deux messieurs étaient dans un petit avion qui était sorti de Belize. Selon ça, dis-nous, comme premier élément d'information que nous gagnons, à destination de Venezuela. Le Venezuela, autant, ils étaient prêts à récupérer, ils étaient prêts à chercher une cargaison de cocaïne qui équivaut à 900 kilos pour être porté au Guatemala. Guatemala, et ça qui fait atterrir, c'est parce que moteur gauche. Avion, il était tombé en panne, qui fait que il fait atterrissage forcé ça Saint-Jean. Donc M. Sario a travaillé pour un trafiquant mexicain qui est le Lobo, ainsi connu. Donc M. Sario a été rencontré et Bossy Mexique, qui est le Chino, qui a conduit M. Sario à l'avion. Et il a été mis en pile carburant en avion pour permettre de faire voyage là. Je te baille de M. Sario $10,000 américains comme frais de voyage. Mais leur retourne leur finirait mettre cargaison, suivant ça, pilote, je dis nous, je te baille $300,000 américains à raison de $150,000 chaque monsieur. Donc, le fait que l'avion vienne tomber en panne, nous avons l'avion dans la zone Saint-Jean. Donc, $10,000 ça, je te baille quelques monde dans la localité, notamment. Peterson Brival, Domena, Jacqueline, ak un lot, paquet lot moun encore qui te prend $10,000 ça, qui te permettre de yo échapper. Donc nous devons des informations, bon 8 heures comme ça, côté monsieur Sario, de monsieur Sario, yo te nan kay, ki nan rue Avenue Cartagena, et, c'est fort, Avenue Cartagena, dans centre ville au kay. Oui, Avenue Cartagena, en gland. Okay. Là, un Cartagena à côté qui passe devant du peuple. Okay. Première église baptiste okay, du peuple. Dans le cas qui a un bolet là en bas là. Et ça a été en l'air. Donc là, nous avons information. Nous-mêmes, bon, 8 heures comme ça. Donc nous relais équipe pas nous, équipe police qui d'achat avec nous. Donc on a le premier monsieur. Oui, nous avons fait finale. C'est ça qui fait que nous sommes obligés à arrêter le taxi qui a sauvé à nous. Donc, taximan ça, bon, monsieur, pas un véritable taximan, non, parce que monsieur, il est employé pour te faire travail ça. Ok. Allez, sous Saint-Jean avec vous, on prend déposer vous, et dans le cas là, donc, le temps, pour vous avez échappé, nous-mêmes, nous avons arrivé à temps, donc, nous procéder à l'arrestation. Donc, monsieur Taxi a fait comprendre que c'est bah, la police qui a mené. Il y a plusieurs commissariats, il y a le commissariat Tobek, il est passé commissariat, disons, poste 4 humains, il est passé devant commissariat. Et ce vêtu là, il pas bailli, il a mis les juste en bas dans l'avenue Cartagena pour premier exercice ça. Donc ça montre que pas gagné de vérité dans ça que monsieur a fait nous comprendre que c'est John Jimmy Archie là qui c'est mon Saint-Jean qui a fait nous comprendre que c'est la police c'était pas le même, c'est pas vrai du tout. Donc monsieur a aidé monsieur Sario pour nous évacuer pour nous sauver. Mais malheureusement heureusement pour nous même et antenne panneau bien service de renseignement parquet qui mettait nous sous quoi rapidement et nous procéder à l'arrestation de monsieur. Non, mais c'est le moment que vous pouvez aller. Parce que nous avons des bonnes informations. Nous disons attention, monsieur, presque arrivé à mettre Gilem là comme ça. Lorsque vous avez mettre Gilem là, nous ne parlons pas. Il était déjà dit dans le cas. Nous filons, nous filons, nous venons descendre l'escalier. Et puis taxi à devant, attendons. Nous tout prenons et puis nous allons avec. Nous remettons avec BLTS. Donc, ça, c'est question, interrogation que je pense que tout le monde a posé pour nous chercher l'élément de réponse. Donc nous même travail par nous fini, enquête la poursuivre, c'est ça qui fait que nous déférions nous bailler des CPJ et charge là pour qu'à questionner monsieur sur vraie mission en Haïti. Effectivement parce que tout nous a questionné trajet là et comment faire cela là n'est tombé. Donc nous même gain sécurité bailler nous pour qu'à répondre, ça fait que des CPJ lui même Port-au-Prince gain charge là pour qu'à continuer à interviewer, questionner monsieur sur vraie raison qui fait que effectivement c'est dans le lieu ça, oui, dans le moment. Non, nous ne connaissons pas, parce que l'agent BLTS était sur place, bon, 7h30, 8h30, il n'y a pas de drogue, il était joué presque avion pillé net,
et même chaise dans avion en parité carburant qui dégain avion tout pour tout aller pas gain électrique dans avion encore nous pensons que l'argent que tu gagné en d'avion c'est 10 000 dollars américains c'est l'argent pour frais de voyage et c'est l'argent ça a été bail quelques monsieur pour permettre de sortir pour permettre de sauver mais malheureusement pour eux heureusement pour la justice nous même nous quand on met main dans pas de casse avion et nous t'a déféré devant Dieu nous te voyer juge de paix Saint-Jean mais magistrat Guichemet aller constater avion et constater et faire monsieur parce que monsieur était plusieurs matériels tant pour radar était plusieurs appareils de communication il y a plusieurs matériels en dedans et valise nous te voyer constater après constat donc nous te bailler BLTS au CAI et l'ordre pour te transférer monsieur DCPJ pour que ka approfondir enquête approfondir parole que monsieur ça et gain troisième élément qui a arrêté à les Port-au-Prince également bien arrêté ici au CAI nous kembe li au CAI parce que c'est depuis l'autre jour que tu dit monsieur ça c'est séquestré yo quand nous séquestré yo prend l'argent dans main yo donc ça fait que nous même nous kembe avion qui était sorti Belize selon ça yo dit nous comme premier élément information que nous gagné à destination de Venezuela. Le Venezuela autant, il était pas récupéré, il était pas cherché une cargaison de cocaïne qui équivaut à 900 kilos pour être porté Guatemala. Guatemala, et ça fait atterrir, c'est parce que moteur gauche avion, il est tombé en panne, qui fait que il était fait atterrissage, il faut c'est ça, Saint-Jean. Donc, monsieur Sario, tu travailles pour un trafiquant mexicain qui est le Lobo, ainsi connu. Donc, monsieur Sario a été rencontré et Bossy Mexique que relé Chino qui te conduit monsieur Sayo à l'avion et yo te mette en pile carburant en d'avion pour ka permettre yo faire et faire voyage là yo te bail de monsieur Sayo 10 000 dollars américains comme frais de voyage mais l'heure retourner leur finir mettre cargaison suivant ça pilote yo dit nous nous avons payé 300 000 dollars américains à raison de 150 000 dollars chaque monsieur. Donc, le fait que l'avion vienne tomber en panne, nous avons payé l'avion dans la zone Saint-Jean. Donc, 10 000 dollars, nous avons payé en pile, nous avons payé quelques personnes dans la localité, notamment Peterson Brival, Domenard, Jacqueline, avec un paquet de personnes qui ont pris 10 000 dollars, qui ont permis de nous échapper. Donc nous devons des informations bon 8 heures comme ça côté monsieur Sayo de monsieur Sayo il était dans un caille qui dans rue avenue Cartagena et c'est fort avenue Cartagena dans centre ville au caille oui avenue Cartagena de Anglan OK en Cartagena côté qui passe devant du peuple okay. Première église baptiste okay, du peuple dans caille qui gagne bolette là en bas là okay, et ça okay. En l'air donc là nous gagne information nous même bon 8 heures comme ça. Donc nous relé équipe pas nous équipe police qui d'achat avec nous donc que on dal prend monsieur oui nèg de finale c'est ça qui fait que nous t'es obligé à arrêter nèg taximan qui t'a sauvé nèg yo taximan ça bon monsieur pas un véritable n'a dit un taximan non parce que monsieur il est employé pour te faire travail ça okay. Sur Saint-Jean avec yo on prend déposer yo et dans cas là donc le temps pour quand échapper nous même nous quand arriver à temps donc nous procéder à arrestation. Monsieur Taxi a fait comprendre que c'est bah, la police qui t'a mené. Il y a plusieurs commissariats. Il y a le commissariat Tobek. Il est passé commissariat, disons, poste 4 humains. Il est passé devant le commissariat. Et ce vêtement-là, il n'est pas bailli. Il a mis le juste en bas, dans l'avenue Cartagena, pour le premier ex-baptiste. Donc ça montre que pas gagné de vérité. Dans ça que monsieur a fait nous comprendre que c'est John Jimmy Archie là, qui c'est Mounse Jean. Qui a fait nous comprendre que c'est pas la police, c'est pas le même, c'est pas vrai du tout. Donc, monsieur a aidé monsieur Sayo pour nous évacuer, pour nous sauver. Mais malheureusement, heureusement pour nous-mêmes, et antenne Bano, bien service de renseignement, pour Kéa, qui mettait nous sous courant rapidement et nous procéder à l'arrestation de monsieur Sayo. Non, mais c'est le moment que vous allez aller. Parce que nous avons des bonnes informations, nous disons attention, monsieur, presque arrivé, vous avez dit, comme ça. Lorsque vous avez dit, nous n'avons pas eu. Okay. Il était digne déjà dit dans qui caillou. Nous filer, là nous filer, nous descend l'escalier et puis taxi à devant attendre. Ça nous tout prend et puis nous voilà, nous remettons par BLTS. Bon ça c'est question interrogation que je pense que tout le monde a posé pour nous chercher les réponses. Donc nous même travail pas nous fini, enquête la poursuivre, c'est ça que nous
de faire une baille de CPJ charge là pour questionner monsieur sur vraie mission en Haïti. Effectivement, parce que tout le monde a questionné le trajet là et comment faire cela là est tombé. Donc nous-mêmes, nous pouvons répondre. Ça fait que DCPJ lui-même, Port-au-Prince, il a charge là pour continuer à interviewer, questionner monsieur sur vraie raison qui fait que effectivement, c'est un lieu ça, il y a dans moment. Non, nous ne connaissons pas si bien parce que l'agent BLTS était sur place. Bon, 7h comme ça, 7h30 comme ça. Il n'y a pas de drogue. Il était joué presque avion pillé net. Et même chaise dans l'avion n'a pas arrêté. Carburant qui était avion tout aller. Pas gagné avec tirer l'avion encore. Nous pensons que l'argent qui était gagné en avion, c'est 10 000 $ américains. C'est l'argent pour frais de voyage. Et si l'agence a été baillée, quelques monsieur pour permettre de sortir, pour permettre de sauver. Mais malheureusement pour vous, heureusement pour la justice, nous-mêmes, nous avons mis dans le podcast avion et nous avons déféré devant Dieu. Nous avons le juge de Père Saint-Jean, le magistrat Guichemet, aller constater l'avion et constater l'effet monsieur, parce que monsieur a plusieurs matériels, tant que radar, plusieurs appareils de communication, il y a plusieurs matériels. En dedans et valise, nous devons constater, après constat, donc nous devons BLTS au CAI et l'ordre pour transférer monsieur DCPJ pour que approfondir enquête, approfondir parole que monsieur Sarah. Et il y a un troisième élément qui a arrêté à l'île. Les Port-au-Prince également bien arrêté ici au CAI. Nous sommes venus au CAI parce que c'est depuis l'autre jour que tu as dit, monsieur, ça a été séquestré. Donc, quand nous séquestrons, nous prenons l'argent dans la main. Donc, ça fait que nous-mêmes nous sommes venus.